au cinquième round lors de la nuit du 3 au 4 août 2024. Ce match de boxe qui a eu lieu au BBO Stadium de Los Angeles aux États-Unis faisait partie d'un affrontement de poids lourd sur 10 rounds. Reportage. Bacoli, seconds away from the biggest win of his life. Martin Bacoli has Big Baby bouncing off the ropes and he's done it. C'est au cinquième round que Martin Bacoli a achevé son adversaire du jour, l'Américain Jared Anderson, devant le public entièrement acquis à la cause de son challenger. Body shots. That's gonna be it. We thought this could be fight of the night and boy is it playing out like it could be in Bacoli land. Les cinq premiers rounds étaient équilibrés et visiblement l'Américain n'a pas pu supporter le coup lui asséné par le Congolais qui était décomplexé dès les premières minutes de ces combats. Is this the end of Anderson? Devant son public à Los Angeles, aux États-Unis d'Amérique, Jared Anderson a connu la première défaite de sa carrière professionnelle. Le 21e combat était fatal pour lui. Martin Bacoli a eu la maîtrise, mais aussi les mérites d'avoir honoré la République démocratique du Congo avec cette victoire. Heavyweight champion, Martin Bacoli. Comme dans ses batailles précédentes, Martin Bacoli a démontré ses talents pour ses nobles arts. Il est sans conteste l'ambassadeur du sport congolais à l'étranger. All right, I'm here with Big Martin Bacoli. Félicitations champion, reprise de travaux de réhabilitation du tronçon routier Bandundu Bunkulu Bakala par l'entreprise Bagata, allais-je dire, par l'entreprise privée ADET Construct. Ces travaux qui s'inscrivent dans le cadre du programme PEDEL 145 territoires dans son volet infrastructure routière évoluent à pas de géant et ce à la satisfaction de la population suivante. Enfin, la société privée ADET Construit vient de reprendre les travaux de réhabilitation du tronçon routier Bandundu Bunkulu Bagata sur la RN17, RN9, après quelques mois d'arrêt des travaux. L'ingénieur Johnny, trouvé sur place, explique ce qu'a été à la base de cet arrêt. Il y a eu un petit souci financier, sans oublier que depuis un certain temps, disons juste après les élections, il y a une mesure interdisant le gouvernement de décaisser les fonds pour les travaux. En attendant l'avènement du nouveau gouvernement. Ces travaux, qui entrent dans le cadre du projet PEDEL 145 territoires, volet infrastructure routière, sont reprises grâce au leadership du directeur général de l'Office des routes, le professeur Janongo Ikikangala, dont son service en province, que dirige l'ingénieur Missé Kamoubake Michel, assure la supervision des travaux et les contrôles du bureau technique des contrôles BTC. Ils sont permanents, ils sont avec nous, à l'Office des routes et le BTC, ils sont là, on travaille avec eux. Mais quelle est la technicité appliquée par ADET Construit pour la réhabilitation de ces tronçons routiers, ingénieur Johnny? Nous avons voulu profiter de cette saison sèche ici pour attaquer les points chauds. C'est-à-dire partout il y a des bourbiers, d'ailleurs il faut poser la question à la population environnante, et ils verront et vous diront que cet endroit par exemple, c'est parmi ou si pas parmi les premiers points chauds de ces tronçons ici. Au stade actuel, les travaux sont déjà arrivés à presque 75 km en partance de Bagata, soit au village Kinkiar, mais quelques points chauds laissés au niveau du village Mouchipentane seront également touchés. Les travaux évoluent à pas de géant et à la grande satisfaction de la population qui remercie le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visionnaire de ces projets. Aujourd'hui, ce tronçon routier est praticable. Les véhicules roulent sans être embourbés, contrairement aux jours précédents. Félicitations à notre président. En tout cas, félicitations à le nouveau président Nabissot. Il faudrait noter que dans le cadre du projet PEDEL 145 territoires, volet infrastructure routière, la province d'Ikwilou est bénéficiaire de quelques tronçons, notamment 620 Gungu, Ingudi Idiofa Kabombobak, Bandundu Bunkulu Bagata, Petit Kassai, Bolongo, pour ne citer que cela.
Ouf de soulagement pour la population de Demba. Nous sommes là au Kasaï central. 62 ans après, les habitants sont satisfaits et heureux de la reconstruction du pont Moubiaï. Et ce trouvage en matériaux durables est réalisé grâce à l'implication de deux fils du terroir, à savoir Rémi Kankou Moubiaï et Henri Mbouy Moubiaï, tous deux fils de l'ex-ministre provincial des travaux publics Moubiaï Toumba Patrice, initiateur de ce pont en 1962, suivant ses reportages. Il aura fallu attendre 62 ans après pour que la population du territoire de Demba, dans la province du Kasaï central, esquisse de nouveau un ouf de soulagement de voir le pont Moubiaï reconstruit, cette fois-ci en matériaux durables. Et c'est grâce à l'implication personnelle de Rémi Kankou Moubiaï et Henri Mbouy Moubiaï, tous deux fils de l'ex-ministre provincial de travaux publics, Moubiaï Toumba Patrice, initiateur de ce pont en 1962. L'inauguration tant attendue de ce pont a finalement vu le jour 8 mois après le go de travaux. En présence du conseiller du chef de l'État, Rémi Kankou Moubiaï, du chef de secteur de Lusongye, Willy Beya, et du chef de groupement Chita Kayoka Chiyamawaba Kwamwanza, la population de ce coin était comble de joie pour ce geste grandeur nature. Long de 25 mètres, le nouveau pont se jette sur la rivière Mwanzangoma et relie la mission catholique Kabulwanda, les villages de Chimbadi, Kapombe, Bakwa Mwanza. Chef d'œuvre de l'ingénieur Innocent Puna Masiala, ce pont facilite de l'or la mobilité aux commerçants ambulants logés dans les villages Beya Mwanga, Mission Kabulwanda, Chimbadi, Bakwa Mwanza, Bakwa Bumba, Chisuyi, Bakwa Mbuyi et qui désirent traverser la rivière Mwanza Ngoma à sa partie supérieure vers le territoire de Demba. 6 ans après, le marché de Ouzi, situé au nord de Bounia, est de nouveau opérationnel. Il a été fermé suite à l'activisme de groupes armés. C'est le résultat des efforts de pacification menés dans cette région par les autorités provinciales. Cette reprise d'activité a pour objectif de renforcer la cohabitation pacifique entre les habitants des communautés Ema et Lendou, a déclaré l'administrateur du territoire de Djougou. Deux membres du comité territorial de sécurité, deux chefs coutumiers Hema et Lendou, notables de Djougou, la société civile et une délégation de la MONUSCO ont pris part à cette cérémonie de la reprise d'activité au marché de Ouzi. Cet espace commercial, considéré comme un carrefour entre 5 chefferies, deux secteurs, notamment le Walendou Djati, Walendou Tati, Baema Nord, Baema Badjiri et Baema Bagourou étaient saccagés par les groupes armés actifs dans la région. Depuis lors, aucune activité y était organisée, selon l'administrateur du territoire de Djougou, le commissaire supérieur principal, Rifin Mapela. C'est grâce au dialogue communautaire initié par les autorités provinciales dans le cadre de la recherche de la paix et la cohabitation pacifique. Nous voulons que les activités reprennent ici. C'est pourquoi nous sommes venus vous dire que ces marchés doivent fonctionner dès aujourd'hui. Car l'unique carrefour, c'est ces marchés. Et c'est pourquoi nous insistons encore sur la libre circulation de ces populations. Le chef de chefferie de Baema Bagourou et celui de Walendou Piti réitèrent leur message de cohabitation pacifique entre les communautés. Dans le passé, le marché de Ouzi approvisionnait la ville de Bounia en chèvres, poules et d'autres produits champêtres. Notez aussi que l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain en serre s'engage à concrétiser le vœu du chef de l'État, celui d'électrifier les zones rurales en République démocratique du Congo. La province du Kwilu, notamment les villes de Kikwit et d'Idiofa sont concernées. À Kikwit, c'est lors d'une cérémonie sobre que l'évêque du lieu, son Excellence Monseigneur Timothée Bodika, a réceptionné officiellement les centrales solaires de la mission d'Iyasa de la commune rurale de Bouala, Yulu et Bongayasa. Alors que, pour sa part, l'évêque d'Idiofa a officiellement réceptionné les centrales d'Ipanou, de Kilembe, de Yené, Mankondo
et d'Ishue Mukongo par l'entremise du directeur général d'ANSER. Les objectifs de ce projet, tels que dictés par la vision du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, restent inchangés, c'est-à-dire assurer l'accès à l'énergie au Congo rural pour catalyser le développement à la base. Les défis qui se présentent à nous sont ceux de la pérennisation de ces ouvrages, leur maintenance et leur usage pour le champ de production économique. Car l'accès à l'électricité a un effet pour la formation de l'huile de Congo. Il sied de rappeler ici que cette cérémonie de remise s'est opérée 2 ans après l'électrification de toutes ces entités territoriales dans les Bandundu. En effet, les deux évêques se sont accordés avec le directeur général d'ANSER sur l'impérieuse nécessité d'une gestion saine à même d'assurer la pérennisation des centrales solaires et de leur maintenance. En séjour à Kisangani, la ministre des Affaires sociales a visité 2 orphelinats dans sa gibecière, les kits scolaires et l'école pour la finition des écoles. Les pensionnaires de l'orphelinat Marie-Antoinette Mobutu à Kisangani peuvent être rassurés de leur retour à l'école le mois prochain. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, a tenu parole, comme elle l'avait annoncé au moment de la remise des lampadaires pour les étudiants et élèves. Plusieurs kits scolaires ont été remis à la direction de l'orphelinat. Pour la première fois, après 30 ans, Maman Aziza Mounana, c'est une femme experte, une femme qui a l'expérience dans le sens de l'humanité. C'est une femme qui a retenu notre attention. Les gestes que Maman a posés ici, c'est toute la ville de Kisangani qui a jubilé pour dire merci Maman Aziza Mounana. À sa sortie de l'orphelinat, les veuves sont venues à sa rencontre pour exprimer leur doléance que la ministre se propose de rencontrer dans les tout prochains jours. L'orphelinat Saint-Laurent a également été visité par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana. Ici, elle participe à la finition de l'école et apporte des vivres et non-vivres. 500 tôles, poissons, riz, haricots, huile végétale font partie du lot. Et le centre Saint-Laurent, c'est un centre qui accueille ces enfants pour leur redonner espoir dans la vie, pour les éduquer, les encadrer. Et cette aide est vraiment louable parce que ça va nous aider. Après la visite de beaucoup d'autres sites, Aziza Mounana promet la modernisation des orphelinats. C'est dans le but de ventorier tout le cas concret de jugement que subissent les entreprises du portefeuille et de proposer des stratégies pour détraquer les juges véreux et leurs complices que l'ANEP a tenu une réunion de concertation. Le détail avec Yolande Yoka. Les cas de jugement inique prononcés dans les cours et tribunaux par certains juges verrés condamnant les entreprises et établissements publics à des amendes et autres dommages d'intérêt exorbitants. C'est toute la problématique qui a été exposée et débattue au cours de cette réunion de concertation entre l'ANEP et le chef des entreprises du portefeuille, victime de ces cas de jugement inique favorisant des tierces personnes, et ce, au détriment des intérêts de l'État représentés par ces entreprises. Les participants ont retenu 3 triangles de la mort, constitués d'abord le premier triangle des juges, des avocats et des conseillers juridiques même des entreprises. Le deuxième triangle est constitué des juges, des huissiers et des banques. Et le troisième triangle est constitué des juges, des avocats et des politiques. Ce sont là les acteurs majeurs qui sont à la base de ces jugements uniques. Il s'agit là de certains juges, avocats et certains conseillers juridiques des entreprises. Certains cas ont été présentés, notamment les cas de la CVM avec l'agence Courage de Jean-Thomas Kassakassa et aussi les cas de Agemi Pelemongo avec l'ONATRA et la CVM. Et la primaire pour la présentation de ces cas est réservée à Son Excellence, Monsieur le ministre du Portefeuille, qui a la charge de suivre et de gérer
ces dossiers de jugement unique. Tous ces cas concrets détectés par les conseillers juridiques des entreprises du portefeuille, appuyés par des pratiques avilissantes, méritent des sanctions sévères contre les détourneurs des deniers publics en complicité avec le cadre des entreprises et juges véreux. Les gestionnaires des entreprises saluent cette démarche. Lutte contre les tracasseries routières, le gouverneur du Haut-Ouélé en fait sa priorité. Jean Bakombo a initié une mission d'inspection sur la route Faradje où il met en garde les auteurs. La population du groupement Makoro en chefferie Logodoka dans les territoires de Faradje, situé à environ 45 km de Durba, acquiert pour la toute première fois, depuis l'avènement du Haut-Ouélé après le démembrement, un gouverneur de province. C'est Jean Bakomi Togambu qui, quelques jours seulement après la prise de ses fonctions, casse le mythe avec son inspection de proximité à la grande satisfaction de tous les intervenants, du chef de groupement à l'administrateur du territoire, en passant par le chef de chefferie Logodoka. Le chef de l'exécutif provincial du Haut-Ouélé remercie la population de Makoro pour l'accueil et le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo pour son programme de développement à la base visible dans ses groupements. Au nombre de problèmes auxquels cette population fait face, Jean Bakomi Togambu soulève l'insécurité, l'état des routes, les barrières illégales et surtout la présence massive des étrangers dans des sites d'exploitation artisanale de l'or. Sans passer par le dos de la cuillère, il décide de suspendre jusqu'à nouvel ordre des activités de tous ces étrangers. C'est tard dans la soirée que le gouverneur Jean Bakomi Togambu regagne Durba après avoir démantelé une barrière illégale dont les acteurs, surpris en flagrance, ont tous pris la poudre d'escampette, parmi eux une femme abandonnant derrière elle son enfant. Dans ce journal, parlons également de la clôture de la commémoration du Génécoste à Kinshasa, une cérémonie sanctionnée par l'allumage de bougies en mémoire de victimes, occasion pour les chefs coutumiers de témoigner leur soutien indéfectible au chef de l'État, le vice-ministre des Affaires coutumières l'a déclaré. Suivons. Une flamme éternelle des bougies allumées au crépuscule à l'esplanade du Palais du Peuple. Un geste fort en hommage à des millions de morts du génocide congolais, mais aussi des victimes des atrocités, de la guerre dont est victime la RDC depuis plus de deux décennies. Sous cette flamme, allumée sur initiative du Fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité FONAREV, se profile un nouvel horizon, vision d'espoir, renouveau, prospérité et surtout la paix sur toute l'étendue du territoire national. Une sinuosité dramatique de l'histoire de la RDC qui devrait interpeller encore et toujours l'Afrique et les restes du monde. Car si jamais ils partaient plus tôt que prévu, que leurs souvenirs ne m'éteignent plus jamais seuls. Ces bougies allumées étaient la deuxième étape de la commémoration du Génocoste les 2 août 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Présent à la première étape, au chapiteau du Palais du Peuple, marqué par de moments forts, les vice-ministres des Affaires coutumières, Mwambi Désé, Katouré et Jean-Baptiste, a rassuré du soutien de tous les chefs coutumiers pour que la paix règne en RDC. C'est une journée très émouvante, bien sûr. Vous voyez, nous sommes à l'est, à Rutshuru, lorsque vous entendez parler de Bunagana, de Kishishe, de Bambou, nous sommes en plein dans le Rutshuru. Nous subissons ces violences depuis 1996. Elles sont arrivées avec une extrême violence et malheureusement aujourd'hui, tout le monde le sait et les grandes nations se taisent. Il est temps vraiment que tout le monde puisse lever sa voix haut et fort pour dire que ça suffit pour soutenir les initiatives du chef de l'État. Plus de 300 personnes ont participé à cette commémoration émouvante. Plusieurs femmes pionnières ont été primées pour leur apport dans des efforts liés à la femme congolaise au cours d'une activité organisée par Alcon King de la Grande-Bretagne en RDC. C'était en marge de la célébration de la Journée internationale de la femme africaine. Reportage Christine Lindsay.
C'est en marge de la journée internationale de la femme africaine que l'ambassade de Grande-Bretagne en RDC, avec l'appui de l'Union africaine, a organisé cette activité, ayant pour thème « Célébrons les héroïnes panafricaines d'hier et d'aujourd'hui ». Une façon de marquer cette date en RDC et d'honorer les femmes congolaises ayant marqué l'histoire. Le constat est que malgré les grandes contributions des femmes en Afrique, leur apport dans les domaines de la paix, sécurité, aussi à l'éradication des inégalités et discriminations et autres, il est regrettable que les grandes figures féminines africaines restent toujours méconnues. D'où cette cérémonie organisée par Alison King, ambassadeur de Grande-Bretagne en RDC, où l'on a reconnu les mérites de plusieurs femmes de la RDC, notamment des mesdames Nzuzu Ambombo, Koima Futa, Chantal Kanimbo, Joël Bilé, Julienne Lusenge, Georgette Biebié et d'autres. Une femme congolaise, la première personne noire d'occuper le poste de recteur d'Édimbourg pendant 500 ans. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Le Royaume-Uni reste déterminé à autoriser les femmes et les filles. Nous soutenons plusieurs initiatives qui promeuvent l'égalité des sexes, qui améliorent les opportunités éducatives et qui favorisent l'autonomisation économique des femmes. Grâce à notre collaboration avec les partenaires locaux et internationaux, nous visons à soutenir et à élever les femmes de la RDC, contribuant à leur croissance personnelle et professionnelle. Occasion pour Alison King de remercier l'Union africaine pour son apport à cette organisation. Les invités à leur tour, elles avaient aussi droit à des récitals, la détente, aussi la visite de l'exposition photo, en plus de la projection du film relatant les exploits des femmes en Afrique. La ville-province de Kinshasa a désormais son gouvernement provincial et son programme quinquennal. C'était depuis la semaine dernière. Devant les députés provinciaux, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, a étalé son plan d'action avant l'entérinement par l'Assemblée provinciale. Convoquée pour la circonstance, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a approuvé le programme d'action du gouvernement provincial 2024-2028. Présenté par le gouverneur Daniel Bumba Lubaki et l'a investi par la même occasion. Le premier citoyen de la ville a fait part aux élus des priorités de l'exécutif provincial pour son quinquennat dans le domaine de la sécurité, de la mobilité, de l'assainissement et de la salubrité, sans oublier celui de l'aménagement de la ville, de la construction des bâtiments publics ainsi que des infrastructures routières et ferroviaires. Dans une ville où quasiment tout est à refaire, l'autorité urbaine s'est montrée rassurante et a réaffirmé la détermination du gouvernement provincial à matérialiser ce programme ambitieux, dénommé Kinshasa Zobonga. Pour concrétiser sa volonté de moderniser la ville de Kinshasa, le gouvernement provincial va se doter d'un comité de coordination de projets priorisés. Honorable président, honorable. S'agissant des secteurs de l'éducation et de la santé, un plan de mesures sera pris en collaboration avec le ministère national, les partenaires du secteur professionnel, les provinces et autres professeurs d'école pour passer en revue tous les problèmes liés à ce secteur qui relèvent de nos compétences. Ce programme prévoit également la prise en charge de plusieurs autres secteurs, tels que la santé, le développement agricole, l'éducation et bien d'autres. Dans l'ensemble, le programme quinquennal du gouvernement provincial de Kinshasa est chiffré à 10,9 milliards de dollars américains sur 5 ans. Cérémonie similaire au Kasaï oriental où les députés provinciaux ont adopté le 29 juillet dernier le programme d'action présidé par le gouverneur de province Jean-Paul Bumba Kapo avant de l'investir au cours de la même plénière. Le gouverneur Jean-Paul Mbouéboa Kapo et son gouvernement provincial ont été investis par les députés provinciaux. La cérémonie a eu lieu à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale au cours de la plénière dirigée par le président Willy Mouya Mukendi en présence des autorités provinciales et plusieurs invités. Après la présentation des membres de son gouvernement, le gouverneur de province Jean-Paul Mbouéboa Kapo a étayé son programme d'action très ambitieux qui a gravité autour de 14 axes importants qui n'a oublié aucun secteur. De l'économie à l'habitat en passant par l'agriculture, la pêche et l'emploi pour ne citer que ces axes. Ma politique est de doter la province d'une économie agricole durable et pour cela
J'ai l'ambition de promouvoir l'agriculture pérenne, vivrière et maraîchère pour permettre le décollage de la province et rejoindre les économies fortes et émergentes. A promis également de créer plus de 10 000 emplois, de maintenir la paix et la restaurer dans tous les coins et recoins en conflit, assurer la cohésion sociale sur l'ensemble de la province et industrialiser le Kasaï oriental. Jean-Paul Mbouéboa Kapo a déclaré que ses premiers 100 jours seront axés sur une gouvernance marquée par un changement de capital humain afin de concourir à l'atteinte des objectifs pour le développement durable ODD. Japo a terminé par promettre qu'il va mobiliser un budget à hauteur de 500 milliards de francs congolais, un programme voté à l'unanimité par les 21 députés provinciaux présents à la plénière d'investiture. Le gouverneur de la Mongala, Jean Collins Makaka, a été également investi ensemble avec le membre de son gouvernement provincial par l'Assemblée provinciale de la dite province. Ceci est intervenu après avoir défendu son programme quinquennal. C'était au cours d'une plénière organisée hier dans les après-midi sous la houlette de Gabriel Moussala, président de l'Assemblée provinciale de la Mongala, que les députés provinciaux ont adopté à l'unanimité le programme d'action du gouvernement provincial de la Mongala. Ceci intervient après la présentation du programme par le chef des travaux, Maître Jean-Colin Makaka Pape Kaka, gouverneur de province, qui a fait un exposé magistral en présentant à la plénière les quatre piliers de son programme gouvernemental, à savoir à la sécurité et à l'ordre public dans la province. Nous revenons, nous tous, à veiller à la sécurité et à l'ordre public dans la province. Dresser l'inventaire régulier du patrimoine de la province de la Mongala à travers la République. Lutter contre l'expoliation et éradiquer les quelques cas déjà enregistrés. Devant un programme très séduisant, la plénière n'a pas hésité un seul instant pour investir le membre de l'équipe gouvernementale dirigée par Maître Jean-Colin Makaka Pape Kaka. Fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi, mais on ne se quitte pas automatiquement. Voici le rappel du titre. Une fierté pour la République démocratique du Congo, les boxeurs Martin Bakolé ramènent deux ceintures prestigieuses au pays après sa récente victoire face à l'Américain Jared Anderson par KO au cinquième round. C'était lors d'un affrontement destiné aux poids lourds. Avec cette victoire, Bakolé inflige à Jared sa première défaite alors que ce dernier est resté invaincu avec 15 combats remportés dont plusieurs par KO. Il aura fallu attendre 70 ans après pour que la population de Demba du Kasaï central esquisse de nouveau un ouf de soulagement de voir le pont Moubiaï reconstruit et cette fois-ci en matériaux durables. Cet acte louable est de deux fils du terroir, tous deux en fils de l'ancien ministre provincial des travaux publics Moubiaï Toumba, Patrice, initiateur de ce pont en 1960. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ce journal a été réalisé par Mamita Bangoulou et Jonathan Mubolama, Héritier Katendi, Joseph Nzenzo, Emile Zola et Alain Sodi ont assuré la partie technique. Le prochain rendez-vous, c'est...